La ratatouille. Tous les adeptes de la baguette magique vous le diront, transformer une princesse en grenouille est un jeu d'enfant. On peut aussi faire l'inverse. Il suffit d'un baiser bien placé. Certains magiciens brillent aussi dans la transformation de citrouille en carrosse. Quand on a commencé, on ne peut plus s'arrêter. Courgette en girouette, poireau en bourreau, chou-fleur en coiffeur, épinard en Saint-Bernard, pastèque en beefsteak, rhubarbe en femme à barbe. Tous les légumes se prêtent au jeu de la métamorphose, même les petits radis roses. Il faut savoir qu'un bon cuisinier sait manier la cuillère magique aussi bien que n'importe quelle créature féerique. Tiens, voici un assortiment de produits du soleil. Tomates, aubergines, courgettes, huile d'olive, ail, basilic, de toute première fraîcheur. En un tour de main, et quelques formules magiques du genre « à feu doux, tout est plus doux » ou encore « revenir séparément chaque ingrédient tu feras », toutes ces bonnes choses peuvent se transformer par miracle culinaire en une sublime tambouille. C'est pas du rata, c'est pas de l'embrouille, c'est de la ratatouille. En fait, ce plat de magicien est à la portée de chacun d'entre nous. Il y a 1000 façons de préparer une ratatouille. N'aie pas peur de la réinventer, d'ajouter une touche personnelle. Quand on cuisine avec le cœur, il n'y a rien de meilleur. On touche tous les gourmands, même les enfants. Et puis, la ratatouille est un plat qui nous ressemble. Elle est à l'image de notre société et de sa diversité colorée. Chacun s'enrichit au contact de l'autre. Le bonheur dans la mixité des légumes et des hommes pour le meilleur d'eux-mêmes. Alors, vive la ratatouille, saperlipapouille! C'est bon la vie. Je mange tout de tout.